Bon, alors la question 1, qui suis-je? Stéphane Vautier, né le telle date à tel endroit. Je peux donner le nom de mes parents, le nom et le prénom de mes parents, etc. Je peux donner ma profession. Une fois que j'ai énoncé tout ça, j'ai énoncé quelques éléments qui définissent ma personne, mais je suis plus que ma personne. Et ce plus, je ne saurais trop le décrire. C'est un problème en soi que de décrire ce qu'est ce plus. Question numéro 2. Selon vous, à quoi doit servir maintenant la psychologie académique? Ou encore, à quoi doit servir maintenant une université de psychologie? Réponse, à secourir le lien social. La psychologie qui s'enseigne à l'université doit viser comme objectif général la reconstitution du lien social c'est-à-dire qu'elle doit être une éthique. La psychologie académique doit être une éthique. Question numéro 3. Qu'ai-je à dire sur la vérité? J'étais en train de penser à une définition en forme de boutade. La vérité est nue, et c'est ce qui la rend intéressante. C'est-à-dire que la curiosité a pour objet la vérité. C'est-à-dire que la vérité est l'objet d'un désir qu'on nomme curiosité. Alors une fois qu'on a dit ça, ben à vous de réfléchir à votre propre définition de la vérité. Ça m'intéresse. Question numéro 4, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Voilà. Revenir un peu au moment présent.